suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ce contexte de confinement. C'est l'occasion pour l'équipe du GNV Mag de faire une rétrospective sur ces 4 années de diffusion du magazine. Et nous avons choisi de donner la parole aux transporteurs. Écoutez. Je vois que vous avez affiché sur vos camions les qualités en fait, du carburant bio-GNV. Vous avez envie de faire savoir, d'améliorer votre image? En termes d'image, le camion a toujours été considéré comme un gros pollueur. Le fait de rouler au gaz est beaucoup plus propre. Le retour des conducteurs qu'on a sur ces véhicules est très positif. Ils contribuent à la meilleure santé de tout le monde de demain. Voilà, donc ils sont fiers de véhiculer cette image. Ça sent pas. Il y a le matin aussi au démarrage, on n'a pas de fumée. Ça pollue moins, c'est meilleur pour la planète. Tout est meilleur dans le gaz. Quand on collecte de nuit, par exemple, on fait beaucoup moins de bruit par rapport à un autre camion et ça réveille beaucoup moins les gens. C'est aussi une facilité d'exploitation, surtout dans notre région concernée par les interdictions de circuler par rapport à la pollution. Et le véhicule GNV, étant en vignette critère 1, nous a franchi de toute cette problématique, au moins sur ce point. Bonjour Ludo. Bonjour Gilles. Comment jugez-vous la conduite de ce camion gaz? Je trouve ça très plaisant. C'est une conduite très écologique. Les véhicules gaz ont beaucoup de pêche au niveau de la relance, donc c'est ce qui nous fait conduire assez prudemment. Ce sont des véhicules qui sont économiques, une consommation qui est à peu près 20% moins importante qu'un véhicule gasoil, et un prix d'achat au kilo qui est plus intéressant qu'un litre de gasoil. Le matériel coûte plus cher parce que c'est un nouveau matériel et qu'il y a moins d'acteurs sur le marché. Par contre, plus on fait de kilomètres, plus on a un équilibre économique par rapport à notre carburation. Donc la rentabilité des camions, vous l'estimez à quel kilométrage annuel ? Nous, les tracteurs font environ 180 000 km par an, mais à partir de 120 000 km par an, on retombe sur nos pattes. Après, le gaz, c'est une énergie qui ne s'épuisera pas, ou du moins qui peut être créé par l'homme, donc je pense que c'est pas éternel, mais presque. Cette rétrospective est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt.